Le set de Kirbo là est dédicacé à Fiel Sensei qui l'a aidé à apprendre Game & Watch. Voilà. Et ben let's go du coup pour la dernière game de cette soirée. Inferno Croate, du coup enfin Croate, Kirbo pardon du coup. Ça va être du Joker Game & Watch. On va voir comment ça va se passer et j'ai l'impression que ça lag pas. J'ai l'impression que ça lag pas. Alors mon bon Ice, je te propose d'attendre que je finisse mon stream. Et juste après, on va pouvoir discutailler un peu sur les records. On va pouvoir discutailler. Bref. Alors, t'inquiète pas, tu vois que tu joues en violet. Dès que je suis plus en violet sur les records, voilà. Ou au pire, tu restes jusqu'à la fin comme tu veux, c'est toi qui vois. Bref. Alors, Inferno Croate, oui tout à fait. Et ben pour l'instant c'est assez serré. Évidemment Fiel qui l'a aidé à apprendre Game & Watch, donc on va quand même, c'est un bon coach. Mais après faut voir au niveau du match-up, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce que Joker c'est un bon match-up? Est-ce que c'est un mauvais match-up? Je ne sais pas trop. Pour l'instant c'est pas trop mal là ce que propose Kirbo avec son Game & Watch. C'est stylax, c'est vrai qu'en plus de base Kirbo il connaît Joker, C'est clairement son mec en fait de base. Donc c'est vrai qu'il connaît ses faiblesses, il sait de quoi abuser, il sait comment l'empêcher de tuer, enfin voilà quoi, genre bon. Il connaît bien ce cher Joker. Even, mais faut le dire vite, d'accord ok. Ah bah non. Ah bah oui, on se fait renvoyer le petit upper là, c'est compliqué. Ouais. Ouf, le gros smash qui a pas fait plaisir du tout là. Il n'a pas fait plaisir, mais genre pas du tout. Effectivement, bon bah on va voir comment ça va s'en sortir. Hein. On a quand même 50% de différence là. Voilà, on va pouvoir faire des jolies choses. Ok, up B, out of shield, tout à fait. On prend le stage control, on casse le projectile avec le down smash. On spam les smash bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on joue Game & Watch. Et on fait des jolies choses là avec ce Game & Watch, regarde-moi ça. Eh, du smash. Voilà, c'est ça ce qu'on fait. Ah, il se fait délai par le grand frère, je comprends. En même temps, qui peut se vanter de gérer Arsène le grand frère en fait? Oh là là. Il est pas mal le Game & Watch de Kirbo là. Il est pas mal non? Qu'est-ce que t'en penses, Wikace? Toi qui joues Game & Watch, il est comment? Persona. Hop. Ok, bien vu ça, ça l'aggrave. Oh, compliqué ça. Ouf. Oh, yeah, ça dragouille un peu, mais tranquille. Il y a des petits freezes, mais ça va, genre c'est jouable. Oh, ya. Ah, ça survit. Oh, ah ouais, ça a survit de si loin là. Ouais, et là, bon, là, c'est la mort là. Ouais, là, c'est la mort. Là, c'est le décès. Et bah, Kirbo, pas mal, hein. Pas mal le Game & Watch. Smash dans notre rôle ou quoi? Bah franchement je trouve qu'il est pas mal ton Merde du coup c'est mon frère qui s'assied du coup ouais. Il est pas mal ce Game & Watch. Il sort bien, il est cool. Oh là là. Hop. J'entends que c'est bon mais pas sûr, j'en fais un quick play. Go d'une augmentation à Fiel pour la peine. Une augmentation, bon, c'est vrai que je pourrais doubler sa prime, c'est vrai. C'est vrai que je vais doubler sa prime. Je vais la doubler. Bah ouais. 0 x 0. Enfin 0 x 2, ça fait toujours 0. Et ouais Fiel, bah oui. Ta prime elle est 0, si je la double, bah ça reste 0. Eh bah il est pas mal ton élève là Fiel, franchement il est pas mal. Il a gagné la première game, c'était tranquille. Alors, bon on va voir, Tonen City du coup. Dans ce match-up, très bien, bon écoute, on va voir comment ils vont s'en sortir pour l'instant. Deux out of shield qui est trouvé, du grand smash, du grand down smash, pardon excusez-moi le micro. Du grand down smash. Du grand up smash également, up smash dans le neutral bien sûr, et bah let's go. Ah là là. Oh, il a failli le passer hein. Il a failli le passer hein le down smash hein. Il l'aurait lâché un tout petit peu plus tôt, ça aurait été good. Oh.
Carbo. Carbo, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien. C'est pas bien les suicides comme ça. Oh là là. Ouais, bien vu ce truc de Smash. Ah bah. Mais. Alors, je vois que ces deux joueurs là, ils ont effectivement écouté mes conseils en début de stream. Parce que là, la technique du reset de stock, elle est appliquée à la perfection. Brocus serait extrêmement fier de vous. Là, Brocus, il serait mais tellement fier. Alors là, faudrait que j'ajoute un point d'exclamation Brocus. Faudrait que j'ajoute un point d'exclamation Brocus. Ce serait marrant. Bref. Ok, encore du smash. Du autre smash. Oh bah oui, ça l'arrête. Ouais, il a pas fait gaffe au pourcentage par contre. Aïe 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 aïe, 47 à 49, c'est compliqué. Oh, mais tu peux tellement tout faire à la fin de tes smash, genre. Ouh. Et regarde-le, mais regarde-le, genre. Il a vraiment bien compris, hein. Il a vraiment bien compris le Game & Watch, hein. Ouh. Bah, smash dans le neutral, en fait. Bah, smash dans le neutral, en fait, Game & Watch. Oh là là, si fort. Mais si fort, Game & Watch. Oh le bâtard à la cloche. Oh le bâtard à la cloche. Ok, on va balancer un petit card of stage là peut-être. Non. Ah, oh, attendez, non, on montera pas. Deux suicides pour ce bon Kirbo. Ah, faudrait pas en faire un troisième parce que là compliqué, hein. Ok. Oh là, les counters qui sont tellement bien mis là, enfin qui sont tellement bien punis pardon de la part de Kirbo. Encore une fois, il est pas là du temps. Il s'est pris zéro counter Kirbo, hein. Zéro counter. Ah bah c'est la fin là. Aïe aïe aïe. Et bah Kirbo, malgré ses suicides, il va l'emporter. Il va l'emporter. Et bah franchement, pas mal le Game & Watch. Du coup bah 2-0 et je coupe le record là-dessus.